Et du coup, moi, je vais vous faire du bioplastique, donc du plastique à partir de farine de maïs, de glycérol, donc ça va servir à ce que le plastique soit plus ou moins malléable. Donc plus ou moins, soit on en fait une plastique comme ça, dur comme du fer, c'est faux, c'est pas dur comme du fer, c'est dur comme du plastique. Ou alors, comme pour faire un sac en plastique, quoi. Et on a du vinaigre aussi pour se servir, et de l'eau. Oh, mais tu vois, au fond, ça colle. Oui, parce qu'il faut le temps que quand tu mélanges de la farine avec de l'eau, ça va humidifier de la farine autour, mais pas au milieu. Il va faire un gros paquet. Il faut le temps que ça dilue tout. Tu verras, tu feras des gâteaux, tu verras. Donc on va placer ça dans... Bah je vais le faire. Tu vas mettre ça dans le charbon actif. Ouais. Et là, vous préparez quoi? Là, en fait, c'est une filtration. Donc au départ, on a de l'eau très sale. Et au fur et à mesure, c'est plus clair. Le principe, c'est, oui, dépolluer. Dépolluer. Donc là, la filtration prend encore un peu plus de temps parce que le charbon actif, c'est encore plus fin que le sable, c'est vraiment très très petit. Et donc pour vraiment avoir un résultat au top, généralement, plus une filtration est lente, plus ça marche. À la fois, il faut quelqu'un pour faire la vaisselle. À moi, à moi. Un homme. Arctique. Est-ce que vous l'avez? Donc vous l'avez inversé, vous avez un pôle sud alors du coup, hein. C'est ça? C'est Arctique, vous avez... Donc là c'est une erreur, vous avez raison. Vous retournez la carte, elle a déjà été utilisée. N'est-ce pas? Pas d'habitants. Est-ce que vous avez ça? Ouais, donc c'est eux qui ont raison, les habitants au pôle nord. De votre côté alors lui? Une réponse, pôle Nord. Alors vous l'avez fait avant? J'ai douté là. Alors j'ai confondu. Ça va permettre d'enlever les taches qui sont les plans. Et vous aurez également des huiles essentielles pour vous mettre. Vous aurez le choix entre citron et menthe poivrée. À votre avis, les huiles essentielles, qu'est-ce que ça va te donner? Deux cuillères d'argile et deux cuillères de bicarbonate de soude. D'accord. Alors, ça veut dire qu'il faudra faire énormément de mouvements de bouche avec l'eau à l'intérieur parce que l'argile a tendance à rester sur la gencive. Mais tout va bien, parmi les deux. Une fois que vous avez mis les deux de chaque, vous mélangez. Merci. Super, c'est toi, bien. Toi, t'en manques. Super. Bah, regarde ça. Comment on va faire? Deux cuillères à soupe d'eau. La menthe. Oui, la menthe. Tu mélanges menthe ou citron? Oh, ça fait trop bon. Oh, on peut mettre les deux. Or, l'effet de serre de la terre, qui est renforcé par l'oxyde de carbone, fait qu'on a un couvercle au-dessus de nous, et ça chauffe de plus en plus. Et quand ça chauffe beaucoup, vous allez avoir par exemple de l'évaporation de l'eau de mer, des lacs, ça va créer d'énormes nuages, d'énormes masses d'air qui vont provoquer des tempêtes, qui vont provoquer, quand vous avez beaucoup d'air chaud à un endroit et beaucoup d'air froid à un autre endroit, vous allez avoir des averses de grêle par exemple. Et puis l'été à certains endroits, il fait extrêmement chaud. Chaleur du gaz naturel. C'est du gaz, effectivement, qui s'est produit pendant des millions d'années. Et tu disais, c'est une énergie fossile, parce que pendant des millions d'années, tout ce qui a été vivant, la mer, était beaucoup plus présente sur Terre. Dans tous les animaux marins, tout le plancton, tout le krill, vous savez, toutes ces petites crevettes. Moi, je veux un produit pur. Ça, c'est pas un produit pur, c'est un produit mélangé. Pour faire ça, j'utilise que la distillation.
Je fais quoi? Je mets mon produit là-dedans. Je fais chauffer. Pour celui-là, il n'y a pas de limite de temps. Pour celui-là, j'ai fait 2 heures. Pour celui-là, il n'y a pas de limite de temps. Celui-là, c'est autant de temps qu'il faut jusqu'à ce que le ballon se vide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à deux autres sortes de côté. Donc, je pose mon bateau là-dessus. Voilà. Et nous, on tient une petite cuillère comme réserve. Donc, moi, du coup, ça, c'est mon essence. C'est mon diesel que j'ai créé. Voilà. Je prends mon diesel. Ça, c'est comme mon réservoir. Je mets mes carburants là-dedans. Hop, là. Ce qui va se passer, c'est que moi, je vais faire chauffer. Ça va faire chauffer le support qui est en dessous. Et quand ça va chauffer avec le diesel, ça va faire avancer le bateau. C'est le moteur d'une 205 cc. Ah, super. Ah, non. On y croit. Et le bleu, c'est le moins intéressant, c'est celui-là qui me coûte de l'argent, hein. Moi, habitant. Donc moi, je veux rien là-dedans, et regardez, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il faut que je profite de mes animations, il faut que je mette des brosses à dents, des cintres cassés, des choses qui se trouvent. Des couches qui un déchet. Ferme toujours les yeux et tu dois choisir un déchet au pif, voilà. Comme la pince pour les peluches. Alors, qu'est-ce que tu as en main? C'est un sac plastique. Un emballage plastique autour des packs d'eau. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait de cet emballage plastique? À ton avis? On le met dans le orange. Dans le sac orange, vous êtes sûr? Tout le monde est d'accord avec elle? Oui. Qui c'est qui le mettrait dans le sac orange? Elle veut doigt. Qui c'est qui le mettrait dans le sac bleu? Tu mettrais dans le sac bleu? Le sac bleu, tu mettrais où alors, toi? Comme pour qu'on se fait. Très bien, c'est juste. Hein, c'est une nouvelle consigne depuis le 1er mars. Donc, voilà, elle a sauvé l'honneur des filles. Parce que je vous dis, hein, les filles, c'est les meilleures depuis tout le temps. Hein. Les garçons, pas trop. Le pain, c'est bon d'en trouver. Je te l'avais dit, le pain. Là, c'est bon, c'est ça. Le pain. C'est le numéro. Un 10-3, trouvez dans les jetons jaunes un déchet à mettre dans le sac orange. Poubelle déjà, celui-là c'est poubelle, je vous rappelle avant. Poubelle, tu vas trouver le numéro. Votre projet, c'était avec qui, ce que vous avez avec fait? Avec Madame Grigny. Logique quoi. On devait présenter la ville du futur. Sur lesquels vous devez mettre des messages pour le futur, donc ça met quand même ce que vous auriez envie de dire à celui qui vous lira un enfant dans 50 ans, soit vous lui parlez, vous leur parlez de la situation actuelle, des problèmes d'écologie, d'environnement et tout, et vous leur demandez aussi de prendre soin plus tard de la planète, et vous leur donnez des conseils qu'ils ne doivent pas faire, par exemple des erreurs que nous avons faites. Est-ce que vous comprenez? Et on accrochera tout ça ici. On met dans une boîte en bois et plouf, ça va être enterré. Et on va mettre un message comme si c'était des aliens. Et dans 50 ans, les petits-enfants qui vont venir au collège, ils vont ouvrir cette boîte. En fait, c'est sur très joli.
C'est pas une photo, je filme, tu peux bouger. Ouais. Il y a le cœur de découper, une colle de découper. Bah, viens, on peut le laisser là, je peux le faire parce que tu connais, je crois. C'est ça, on va bien. Monsieur, que j'ai vu ce matin, et à celui de la grosse voiture. Oui, ne t'inquiète pas, mon enfant. Nous allons faire des campagnes pour sensibiliser les gens à l'écologie. Ta maîtresse Martine, elle va venir avec toi à la prochaine réunion car nous avons plein de choses à nous dire. On va faire juste les. D'accord ? On se pose des questions, on réfléchit. Elle est trop bien cette chanson. Vous me le faites ça une fois ? Donc premier monde, dernier descend et remonte. Ça ferait 1, 2 et. Réflexion. À chaque fin de couplet. Il fait chaud dans la classe, dehors c'est encore pire. Je finis ma rosace doucement et je respire. Travailler à l'école, je pense, pour faire quelque chose comme ça. Après, en fait, je suis allé trop vite, on a vu, donc je vais lui dire dans les paramètres, je veux pas que ma fraise elle fasse plus que 3 minutes. Voilà, tac tac tac, c'est parti. Ah, bien sûr, c'est du bois qu'on recycle, donc il n'a pas une très bonne. Caractéristiques mécaniques et il fait des petits copeaux. Ils doivent traquer les économies à faire dans la maison. Elle n'arrive pas à mettre le t-shirt à sécher. Alors, tu as deux solutions pour sécher. Lesquelles ? À ton avis, c'est quoi la meilleure ? Mettre dans le sèche-linge ou faire sécher à l'air libre ? Ah non, sèche-linge. Ah bon ? Ah non, à l'air libre. Qu'est-ce qui va consommer le moins d'énergie ? À l'air. Hein ? Ben alors, il faut le mettre à l'air. Regarde par là. Rien derrière la fenêtre.
Hein? Tu vois rien derrière la porte-fenêtre? Nickel, super. Ok, nickel. Je te mets coucher, tu roules. Mais en vrai, c'est trop possible. Léo, tu me crie. Léo. Non, mais c'est pas ça.